Différent. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Aujourd'hui, donc, j'ai un calendrier de l'Avent assez particulier. Donc, on a 24 portes secrètes. Donc, chaque fois, donc, 24 différentes portes avec différentes surprises, bien sûr. C'est le principe du calendrier de l'Avent. Donc, c'est la série, donc, 3 points d'interrogation. Donc, les 3 points d'interrogation de Cosmos, d'Hydrae. Voilà. Donc, de Cosmos, donc d'Hydrae, Fragezeichen. Donc, aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir quelques portes. Le but, ce sera au final d'ouvrir les 24 portes, mais je pense qu'on va faire plusieurs vidéos pour ça, puisque c'est un kit assez particulier qui va être peut-être. Voilà, on va prendre, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, un beau fond que l'on a. Voilà, donc avec des télésièges, le monde du ski, snowboard, un super chalet, un feu, un beau sapin de Noël décoré, un super fond donc avec les montagnes, les sapins enneigés. Donc on va ouvrir déjà les premières 6 portes. Donc on va faire 6 portes, 6 portes, 6 portes, 6 portes, donc 4 vidéos, juste pour ce calendrier de l'Avent. Alors, ici, donc, on a une petite grotte, donc on ouvre, c'est super chouette, donc c'est toute une histoire. Un bonhomme de neige assez effrayant aussi. Voilà, un chasse-neige, un beau sapin, donc il y a tout un monde à l'intérieur, donc sous la neige, comme on peut le constater. Donc on a même un ours qui dort, tout comme une mine. Et puis, ici, donc, on a voilà, un peu de publicité. Et puis là, on a un petit cahier donc sur le calendrier de l'Avent, donc avec quelques instructions, quelques informations. Voilà. Donc, assez vaste, assez intéressant tout ça. Donc on a voilà des cadeaux qui sont donc bien sûr dans les portes qui sont à sortir. Et donc après donc on a bien sûr tout que l'on peut voilà tout à tester. Donc on va commencer bien sûr avec le 1er décembre. Donc on a une petite histoire, voilà, donc avec différents personnages donc, qui se lèvent donc, un matin, qui vont savourer donc un gâteau à la cerise. Et voilà, donc on a donc la tante qui arrive aussi, donc avec la clé, donc qui met les clés donc, dans la crème sur la table. Donc bon. Bien sûr, parce que on a bientôt Noël qui arrive. Donc en plus, bon, pas plus que Noël arrive, mais bien sûr, le gâteau à la cerise avec de la crème, bien sûr, ça aura un meilleur goût. Voilà, toute une petite histoire. Et puis ici, donc on a comme un jeu avec différents skills. Donc le but, c'est de rassembler les différentes paires avec les numéros. Donc celui-ci, par exemple, avec celui-ci. Donc je pense que ces deux sont ensemble, ces deux-là, celui-ci et celui-ci, ces deux-là, et puis on a encore celui-ci et celui-ci. Et voilà, donc du coup celui qui ne passe pas, c'est celui qui est le numéro 3, donc il est tout seul. Donc on va ouvrir cette porte, ah, voilà. Donc on a un petit snowboard ici, donc que l'on peut collé, donc on a des autocollants avec un accomplissement super design, donc c'est comme voilà un snowboard pour les doigts, donc voilà qu'on peut facilement glisser les doigts et puis jouer comme ceci. Ok.
Voilà, donc ça c'est pratique, on voit toutes les instructions bien sûr avec ce snowboard. Bon, ok, donc on peut continuer. Donc voilà, c'est une petite histoire de Noël en plus. Donc on a une suite hein, au niveau de l'histoire. Voilà. Donc c'est vraiment toute une suite d'histoires bien sûr. Donc voilà, on retrouve un petit peu tous les différents personnages. Et puis voilà, donc pour un petit aperçu, voilà, donc après donc on a tout un voilà, les mots croisés. Voilà, qu'on trouve ensuite du coup les différents mots. Voilà, donc on a tout trouvé. Donc bien sûr, tout, on avait les images, il fallait juste mettre donc le mot en fonction des images et après donc on va trouver donc sapin Noël au milieu. Voilà, donc on a toutes les différentes possibilités. Ici on a donc on doit ouvrir cette porte. Donc en fait voilà, donc c'est toute une, il n'y a pas de numéro, il faut découvrir les portes suivantes que vous allez pouvoir donc ouvrir. Voilà, donc on a différents cartons, différents différentes images, voilà, cool. Donc on peut voilà, donc déchirer tout ça. Donc on a du coup une petite explication sur ces petits carnets que l'on a eu, si on peut dire. Alors, ce sont en fait donc des marque-pages. Comme ça nous permet donc de nous y retrouver quand on commence à lire un livre. Très pratique. Ok, donc on arrive au troisième jour. Et oui, donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on retrouve encore l'histoire, donc la suite. Donc c'est tous les jours comme ça, une petite histoire. Une histoire donc qui continue. Donc voilà, donc avec ce calendrier de l'Avent, donc c'est en allemand. Bien sûr, et voilà donc la marque Cosmos. Donc ici donc bien sûr on a toute une valise avec plein de matériel donc, pour partir en vacances à la neige. Voilà, parce qu'ils vont partir en vacances à la neige. Et donc voilà, on doit sortir tout ce dont on n'a pas, besoin. Donc par exemple, voilà. Voilà, les lunettes de plongée, peut-être pas. Ici, donc voilà, on n'a pas besoin des lunettes de plongée. Peut-être le petit canard non plus. Voilà, les chaussures de ski, on a besoin, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, il y a trois éléments dont on n'a pas besoin. Donc, trois éléments. Donc, du coup, il faut ouvrir la porte avec le chapeau et les carottes. C'est ce qu'il y a là. Et donc c'est à construire tout ça, hop. Donc voilà, on a les instructions ici, donc on a arraché la page. Ok. Ok, donc quoi pour tester tout ça? Voilà. Pour ce que l'on a obtenu. Donc. Pratique. Bon. Trop cool. Et donc on arrive au jour numéro 4, donc au 4 décembre. Et donc l'histoire bien sûr continue. Donc on prend bien sûr le pick-up pour se rendre donc à la montagne. Voilà, donc on a besoin de tout ça. Donc on est avec du coup l'oncle et la tante.
Et donc c'est parti. Donc on a tout le monde qui s'assoit donc dans le pick-up. Et donc c'est parti, donc on va pouvoir démarrer le véhicule et partir donc direction la montagne. Donc on a bien sûr toutes les indications, voilà, parce qu'on a un problème avec l'adresse. Il faut essayer de se guider donc pour trouver le chemin. Donc, toute la famille est dans le pick-up et il faut le trouver, leur montrer donc le chemin. Voilà, pour se retrouver là où il faut. Donc le but c'est de trouver donc le bon chemin bien sûr. Il faut y aller pas à pas. Donc on a notre pick-up ici donc avec la flèche jaune et on doit s'aider donc des indications qui sont ici donc dans les cases. Donc on fait 1, on fait hop 2, on tourne, 3, on prend ici, on prend on continue. Voilà, on monte là, là, là. Et donc là je pense que c'est bon. Et on arrive au A. Donc du coup c'est A et il faut ouvrir cette porte là. On a un portable dans la neige. Ah ben voilà, il est là. Et voilà ce que l'on a. Voilà, donc là c'est pour du coup rassembler différents papiers. Ok, donc voilà ce que l'on peut faire. Donc voilà, c'est petite, comme un petit trombone hein, pour rassembler différents papiers. Voilà, très cool. Ok, donc là, bon, bien sûr, l'histoire continue. Donc on est au 5, on est au jour 5, donc on a un arbre cassé, un arbre qui est tombé. Ok. Ah, donc ça c'est... Oh, il y a quelque chose d'assez particulier ici, donc on a un bout de chaîne. Voilà, donc ça doit être cette case-là. Voilà, c'est 4. Bon, il faut que j'ouvre du coup l'étoile filante. Oh, cool! Donc un autocollant lumineux. Ok, donc on a 3 autocollants avec des morceaux donc avec voilà des flocons de neige. Voilà, donc ça lumine, c'est vraiment très lumineux, donc on peut vraiment vite trouver tout ça. Ok, parfait. On peut regarder plus près, ouais, voilà. Donc c'est vraiment assez mignon, c'est chouette. Voilà, donc 3 autocollants. Et donc du coup, on arrive déjà donc au 6 décembre, au 6e jour. Donc bien sûr l'histoire continue et à chaque fois donc on a la chaîne que l'on a découvert
donc qu'on a découvert donc dans la vidéo dans le jour précédent. Et aussi on la retrouve ici, donc on a plein d'empreintes. Et voilà, on a aussi deux gants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Assez rigolo. Et puis donc voilà, on a des marques particulières sur les chaussures. Alors, donc il faut essayer de retrouver donc de reconnaître ce qu'il y a écrit. Voilà, il y a marqué Bergman. Ok, donc c'est ici. Voilà, c'est cette porte-là que l'on peut ouvrir du coup. Alors c'est parti, donc qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Une chaussure. Voilà, donc je crois que c'est une gomme. Une gomme avec en forme de chaussure, avec la semelle, etc. Donc on arrache la page, et puis voilà. Exactement, c'est une gomme, donc avec toutes les explications. Et donc on arrive donc au jour numéro 7, et bon, on va travailler la suite dans une vidéo précédente, donc une prochaine vidéo. Donc on a déjà ouvert 6 portes, voilà, donc les prochaines 6 portes, ce sera pour une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser des avis, des suggestions. Donc n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça vous dit, ça serait super cool. On serait vraiment content de vous accueillir et voilà, ça serait super cool que vous nous rejoigniez donc dans cette aventure. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser des commentaires, abonner à la chaîne et on se dit à une prochaine. Salut!